Bonjour à tous, et les serveurs vous saluent. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Ultimate Quest Pack. Ça va être le deuxième d'ailleurs, ou l'épisode 1, puisque j'avais démarré, je crois, par un 0. Donc, comme vous voyez, j'ai un peu agrandi ici. Je me suis fait une porte pour être tranquille. Ici, j'ai un peu dégagé le terrain. Ici, je me suis fait une pêcherie automatique qui m'amène toutes sortes de cochonneries, mais surtout du poisson, avec un fisher de Main Factory Reloaded. Et j'ai crafté un survivalist générateur. Tu vas mourir dans atroce souffrance. Dépêche-toi. Je sais pas que ça va faire. Il y a des gens qui me regardent. Voilà. Donc ça c'est fait. Ah bah lui je le tue aussi. C'est juste pour mes réputations de guerrier. Ça ajoute. Voilà, bah tiens, j'ai récupéré une tête en plus, ce qui ne gâte rien. Donc j'ai pas fait énormément de choses, si ce n'est aller courir après les items. Je suis mort d'ailleurs encore une fois là. Tué par un Shadwitch. On va ranger tous les pigeons. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils sont. Il y a plein de poissons différents, mais quand vous les cuisez, ça fait toujours du raw fish. Bon, regardons. Ici je laisse la moitié. Ça, un tripwire, ça va me servir. Toutes les trucs que vous voyez, c'est des Ender Pearls. J'ai trouvé ça dans un coffre qui se trouve sous les arbres. Vous savez, il y avait un spawner à araignée. Bref. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, j'en ai pas ramassé assez. Le bif, j'en ai ramassé assez. Hop. Le pork chop, j'en ai ramassé assez. Le chicken, j'en avais 8, hein. Ils sont là. Voilà. Le poisson, faudrait peut-être que je le prenne. Le poisson, le blé, je crois qu'il faut aussi pour l'instant. Le blé, on ramasse. On va faire 32 pains, alors on va y aller après. Le lait, vous avez vu, j'ai 3 seaux que je suis allé chercher. Les œufs, il me faut 4 œufs, je m'en suis pas encore occupé. Ça, c'est fait. Les pop, il m'en faut 32. Bah, vous avez vu, j'ai planté un pommier. Ça c'est fait, ça c'est fait, hop. Et différentes fiches, il me faut un clownfish. J'ai pas encore ramassé de clownfish. C'est étonnant. Ah, excusez-moi, je vois du téléphone. Me revoici. Je disais donc, oui, valider les quêtes. Ouais, j'ai pas encore de clownfish. Donc il me manquera un clownfish. Où j'en étais? Donc faire 32 pains, ça risque de prendre du temps, d'autant plus que je crois que. Non, ça c'est pas ça, c'est ça. Non, je peux faire que des graines et je peux pas faire de. Voilà. Voilà, pour le pain, il me faudra 3 par 3, donc ça risque de prendre un moment. Là, j'ai commencé à faire quelques. Enfin, pas croisements, mais étendre en fait pour avoir des graines d'avance, donc je les ai. Ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme quête que je pourrais valider? Dans les premières quêtes. J'ai fait le Crescent Hammer. Ça va me donner une vie en plus, ce qui est génial. Là, j'ai tué zombie. Ah, il me manque un squelette. Donc on le tuera tout à l'heure. Ça, j'ai fait. Ah bah lui, il me compte pas le Part Builder et le Stencil Table. Donc on va le reprendre ici. Stencil Table, Part Builder. Non, il y a le Part Builder. Hop. On retourne dans le bouquin. J'espère qu'il. Ah merde, j'ai ouvert le sac. Oh super, un ink sac. Ça valait le coup de l'ouvrir. Non, il les reconnaît pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas dû utiliser le bon bois. Ça c'est chiant par contre. Oui, j'ai pas utilisé le bon bois. Donc il faut que je prenne du hoc. On verra bien ce que ça va donner. Donc, Part Builder et la Stencil Table. Je sais plus comment on l'a fait. R. C'est une planche. Donc il faut une planche de Oakwood pour que ça passe, j'imagine. Voilà. Et maintenant c'est bon. Super, 4 bandes pattern. Donc ça c'était fait, ça c'était fait. Donc après il faudra attaquer les cirés de briques. Je suis mort une fois, donc je récupère un reward bag. Il faut que je meure encore 5-4 fois pour valider la suivante. J'ai fait un wrench. Il fallait faire un pain. Je vous ai pas attendu, hein. Mais je vous attends pour tout valider, déjà c'est pas mal.
Là, ça doit. C'est pas encore terminé, vous voyez. Je suis à moins de 15. Il faut que j'aille jusqu'à 15 pour valider. Ça, j'ai tout fabriqué. Alors, c'était chiant, donc je l'ai fait hors caméra, hein. J'ai tout fabriqué. Hop. Et voilà pour le moment. Power to the people. J'ai fait le survival generator. Je vous l'ai montré dehors. Donc ça aussi, on va pouvoir attaquer. Master Chief. J'ai encore rien fait. Et moi, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait là-dedans, mais ça va être horrible. Il me faut des saplings de chaque arbre. Faire un market, je sais même pas. Je sais même pas comment ça se fait. Enfin, tout ça, on verra au fur et à mesure. Et pour l'instant, j'ai rien. Ah si, décoration. Bon, là, c'est l'architecte, etc. Bon, on va pouvoir avancer. On va commencer par manger nos deux cœurs. Voilà, j'ai 4 vies. On a 3 sacs basiques et 16 goods. On va réinstaller déjà ça. Ça fera de la place. Le stencil. Alors, j'ai deux stencils. Je vais virer celui-là à la poubelle. Le part builder. Toc. Et la tool station, voilà. Et le deuxième part builder, poubelle. Le stencil table. On met les blank patterns ici. Ça, c'est bien. Ouais, ça donne 2,5 cœurs, c'est bien. Je vais faire un peu de place. En attendant, j'ai trouvé beaucoup de gravel ore. Parce que pour ouvrir les sacs. Donc je fais beaucoup de place parce que pour ouvrir les sacs, à mon avis, je vais en avoir besoin. Ouais, ça va être la fête des planches. Ça, on le met là. Foot journal, ça sert à rien ce truc-là. Bon, on va commencer par ouvrir les trois basiques. Un. Oh, deux fonds. Deux irons. Un jungle sapling, pourquoi pas. Et deux cobwebs. C'est la fête. Deux cobwebs. Deux irons. Et voilà. Et j'ai 16 sacs good, donc on va voir ce que ça va donner. Ah bah tiens, bah un mushroom. Il m'en manquait justement un pour valider la quête. Ça doit être dans Farmer. Hop. Là. Manuel detect. Ah non, il en faut 4. D'accord, j'en ai qu'un. Bon, bah. J'ai rêvé. On continue. 16 briques, ça sert toujours. Du gold, ça sert toujours. Un juster, je sais même pas ce que c'est ça. On va peut-être pas tanker le coup maintenant. Une miqueur, c'est pas mal. Des fleurs, pourquoi pas. Des air shards, pourquoi pas. Un basic gate, pourquoi pas. Ah, 20 irradiants uranium, pourquoi pas. 3 strings, pourquoi pas. 16 leaves, ça va me servir à rien, mais bon. 3 honeydew. 24 sandstone, 3 quarts d'un cœur, bah tout ça c'est bien. Ah, un cœur complet, ça c'est génial. Et un woven silk, je sais même pas à quoi ça sert. Regardons un peu. Il est où? Utilisation. Ah oui, c'est pour se faire le stuff d'apiariste. Donc on va ranger tout ça. Les 3 quarts de cœur, le demi-cœur. Ça, je n'ai pas trop envie de regarder tout de suite où ça va me mener. Poum, les fleurs, ça va là-dedans. Les minerais, etc., etc., ça va là-dedans. On traitera tout ça plus tard. Ça aussi. Ça aussi. On va remettre les champignons là-dedans. Ça et ça. Non, pas ça. Et ça. Le cœur, on va le consommer. Les deux planches, youp, fait de la place. Voilà. Donc, pioup, dans la bouffe. On va jeter un coup d'œil pour voir s'il y a un clownfish en plus. Tiens, il y a une pomme. Alors, des fois, vous voyez, je le prends, mais ça disparaît. C'est un bug. J'ai remarqué que sur tous les arbres, quasiment, ça fait ça. Il n'y a toujours pas de clownfish. On va attendre qu'il y en ait un. Hein. On va pas s'embêter avec ça. Donc les pommes, dès que j'en aurai 32, on pourra valider la quête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est attaquer... Oh, silence. Attaquer... Hop. Le power to the people. Donc on va faire un Sterling Generator. Et... Je reviens en arrière. Un Leadstone Cell. Un Leadstone Energy Cell. Donc, le Sterling... Oh. Si je fais n'importe quoi.
Yup. Il me faut 5 stone bricks, un four, un piston et deux basic gears. Bah super, j'aurais pas assez. Ça y est, on va faire cuire. Ça c'est bon. Un four, donc 6, 7, 8. Il m'en faudra plus que ça, donc on va reprendre. Du fer, de la redstone. Pour un piston, les gears, on a ce qu'il faut. Normalement, ça doit être comme ça. Je dis bien normalement. Bien entendu, comme toujours, quand je l'ai fait, c'est à l'envers. Voilà. Un piston, nous disions donc. Un, deux, on va faire comme ça. Voilà, comme ça on se débarrasse. Des planches, c'est l'inverse. Et trois cobbles. C'est l'inverse? Non, il veut pas accepter ces planches-là. Pourquoi veut-il pas accepter ces planches-là? Il me casse les pieds. Ce bois-là, il me casse les pieds. Hop, on va prendre du bois comme ça. Et au moins, on sera tranquille. Ah bah non, je peux pas faire un piston. Pourquoi est-ce que je peux pas faire un piston? Eh non, bah oui, il faut que j'arrête de boire. Si je mets la cobble à la place du bois, forcément ça marche moins bien. Et c'est ici, c'est l'inverse. Voilà, on y est arrivé. Nous disions donc, il faut aussi un four. Voilà, donc four, piston, les deux gires. Il m'en faut. Ouais, on va en faire 8 pour en avoir 5. Et voilà, un Stirling Generator. Qui est somme toute un pourvoyeur d'énergie. Je sais pas encore où on va le mettre. Pour l'instant, on va le mettre là. Ensuite, le Leadstone Energy Cell. Leadstone Energy Cell. Il me faut donc un Leadstone Energy Cell Frame, 3 copper. Alors, 4 verres, 4 leads et un bloc de redstone. J'ai que 3 leads, c'est la fête. Bon, bah on fera pas ça tout de suite. Qu'est-ce qui restait à faire? Bon, déjà, je peux valider celle-ci. Un machine châssis. Ça doit être jouable. Ça fait avec du fer de mémoire. Machine châssis. Ah oui, il faut un basic capacitor. Copper, gold et redstone. Donc, ça, je vais en faire une petite quantité déjà. Faire, j'ai ce qu'il faut, copper. Bon, si on pouvait en faire 10, ce serait bien. Le gold. On va pas faire d'économie sur le gold vu qu'on en a ramassé pas mal. 8, faut peut-être pas exagérer. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir faire mes 10. Non, c'est pas du fer, c'est de la redstone. Hop, j'en ai fait 10. C'est toujours ça de fait. De mémoire, il me faut 4 iron bars et du fer. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut. On va en faire 2 tout de suite. Parce que j'imagine ce qui va se passer ensuite. Donc ça, c'est validé. Voilà. Il me demande le sag mill et l'alloy smelter. C'est bizarre, j'avais deviné. Alors, le sag mill, de mémoire, il m'en faut 3 comme ça. Sag, un machine frame, un piston et 4 fers. Donc il me reste que le piston à faire. D'ailleurs, je vais en faire 2 tout de suite. Parce que je sens que pour l'autre, il va le falloir aussi. 1, 2. 2, 3, tap, tap, le piston, je sais plus. Bah non, bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Et l'alloy smelter. Alloy smelter. Donc il faut 3 fours et un chaudron. Bah, j'ai pas assez de cobble. Fours. Un chaudron. Hop.
Il est là. C'est parti. En avant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me refaire en même temps. Je vais en profiter. Je vais me refaire un deuxième stirling. Dont je me rappelle déjà plus la recette. Un four, un piston. Allez, on va essayer de pas se tromper ce coup-ci. Donc c'est que c'est pas ça. C'est comme ça. C'est génial. Touc, touc, touc. Et un four que j'ai pas fait. Voilà. Et voilà. Donc ça, on va le bouger. Ici, on va les virer. Ça, on va le virer aussi. Ici, on va mettre la table de craft. Et ce que je vais faire, c'est... Vous devez connaître d'ailleurs, c'est un dolly qui me permet de transformer, de transporter les coffres sans trop de soucis. On va faire comme ça. Et celui-là, c'est la bouffe. On va faire comme ça. Voilà, j'ai les plantes et là j'ai tout ce qui est matériel. Voilà. Il faudra que j'agrandisse. Bref, ça on va le laisser finir de cuire. Donc sterling. Donc on va mettre un sterling ici. Pour l'instant, un sterling là. Le stack mill et l'alloy smelter. J'espère que ça a validé les quêtes. Super, 5000 alloy smelter, c'est parti. Ensuite, il va me demander une painting machine. Poupoum. Oh là. Oh là là. Bon, on a déjà validé les quêtes. On va ranger un peu le barda. Pour l'instant, j'ai plus besoin de tout ça. Hop, on fait un peu de place. Bon, pour l'instant, on peut le mettre là. Le binder composite aussi. Et on va ouvrir les sacs qui sont que des gouttes normalement. Ouais. Un. Des strings. Yaouh. Un hoodie. Je sais pas ce que c'est. Du bluff, pourquoi pas. De la clé, c'est bien. Et du fer. Donc rien de bien intéressant. Un four, je vais agrandir tout de suite ce coffre parce que ça va me gonfler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un fer. Ils sont où? Ils ont. Il va falloir que je retourne miner entre les épisodes. C'est celui-là. Merde, je me suis trompé de coffre. Bon, bah, il fallait bien que je faille moi aussi. En fait, j'avais peur que vous ne compreniez pas bien comment on upgrade un coffre. Je plaisante bien entendu. La bouffe, elle est ici. Et là, on va y mettre ça. Et le nudi. Je suis trop curieux, moi. Je sais pas si vous l'êtes autant que moi. On va faire un truc. Sur 2 de 3 de haut, on ne sait jamais que ce soit un grand truc. Normalement, c'est un chat et un deuxième chat. Ah, bah super! Bah, j'ai deux chats, je suis trop content. Qui sont malheureusement sauvages, donc qui vont me casser les pieds. Bon, c'est pas grave, ils vont courir partout. Pour l'instant, on va clôturer ici. Donc, je sais plus où j'en étais du coup. Ça m'a perturbé les chats. Oui, qu'est-ce que j'allais faire? Ça, on pas tout de suite. La painting machine. Je pense que je l'utiliserai jamais, mais bon. La painting machine.
Oh là, il faut faire de l'électrical steel, ça va pas me plaire, ça. Bon, on verra ça un peu plus tard. Bah alors, voilà. Par contre, le conductive iron. Ah, il me dit pas tout de suite ce. Ouais, c'est du conductive iron, c'est du fer et de la redstone. Hop. Alors, 10 fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça va dans l'alloy smelter. Mais pour ça, avant, il faut du charbon. Que je mets dans les. Sterling. Voilà, c'est parti. On va attendre que ça se fasse. On va aller jeter un coup d'œil au Fisher. Super, des bottes pourries. Toujours pas de clownfish. Ce sera pas pour tout de suite. Hop. Les chats qui vont bien me casser les pieds, les chats. Ils sont là tous les deux. Au revoir, messieurs. Mais au moins, ils me foutront la paix. Donc, voilà le conductive iron. Est-ce que un suffira? Oui. Je vais prendre un sac. Et ensuite, il faut. Oui, voilà. C'est de la glowstone et j'en ai pas encore. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller chercher. C'est toujours un good. C'est un basique. Un demi-cœur, c'est jamais négligeable. D'autant plus que je crois que j'en ai déjà un autre. Donc ça va me faire une vie supplémentaire. Gratos. C'est parti. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Quand j'aurai fini de jouer avec les. Avec les coffres. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le tourner. On a bien avancé sur les quêtes aujourd'hui. Je pense qu'on n'a rien débloqué pour l'instant de fondamental. Moi, je vais continuer à bosser sur tout le reste. Ce que j'aimerais bien, c'est que là, on est en pleine nuit. Je vais essayer de trouver un squelette. Il y en a un juste là-bas. Parce que j'aimerais bien valider la quête sur les squelettes, en fait. Bon, il y a un creeper entre-temps, mais c'est pas grave. Bonjour toi. Voilà. Et le squelette a des spops. C'est du foutage de gueule. C'est une honte. Bah écoutez, je vais faire. Ah si, il y en a là-bas. Oui, je t'ai entendu toi. Je vais pas te tuer parce que. Marrant parce que je le vois ici, mais il doit être en sous-sol. Fait chier. Voilà, bah écoutez, vous ne l'aurez pas ce coup-ci. Bon, je ferai peut-être ça hors caméra, le but étant de valider la quête. Bah, alors, on va essayer de le tuer lui. Alors, lui, ça sert à rien de se mettre sous deux cases et de dire je vais me protéger et patati. Vu sa taille, vous pouvez pas faire grand-chose. Et il fait super mal, hein, faut dire ce qu'il est. Bah écoutez, il m'a donné en tout cas une Ender Pearl. Ce qui est marrant de voir, c'est de voir qu'ils attaquent les creepers, eux. Bon, bah écoutez, pas moyen de trouver un squelette dans le coin. Je sais pas ce qu'ils foutent, les squelettes, mais bon. Parce que en plus, je suis en forêt, donc généralement, il y en a pas mal qui baladent. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Ah, ça par contre, c'est intéressant. Du barley. Normalement, je vais pouvoir le ramener. Non, il faut que je le casse. Ouais, écoutez, j'étais juste à côté, j'avais pas vu. Tant mieux. Bah là, ça va s'ajouter à mes cultures. Je vais continuer à m'installer tranquillement. Je vais creuser un peu dans tout ça, histoire de me faire un truc sympa. Bon, c'est très moche extérieurement, mais au moins intérieurement, ça a son intérêt. Je disais donc que j'espère que cet épisode vous avait plu. N'hésitez pas à me le signaler si c'est le cas, par les moyens qui vous conviendront le mieux. Vous avez vu, je fais attention. Hein. Et de toute manière, on se retrouve très très bientôt pour la suite de cette série ou d'une autre. Voilà. Et d'ici là, ALSR vous salue bien bas. Ciao!